Et on se retrouve pour la suite de notre série sur les bâtiments. Et je vous rejoins dès 4 heures, peut-être 5, je ne sais pas, on verra. Donc en tous les cas, on se rejoint devant le premier. À tout de suite. Et c'est parti. Comme d'hab. Hein. On retourne à la boîte à lettres. Hop, on s'en fiche. Lui, on se le fait avant qu'il nous pose des soucis à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Un peu de polymère toujours. Pour le collecteur de rosée. Et on est parti. Ok. On passe par la petite structure, un échafaudage, un petit saut, et on y est. D'accord, on l'a attendu. Ça dégage, et ça dégage. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de mode ou de lumière. Oh, qu'est-ce que c'est sombre. Qu'est-ce que c'est sombre. Bah, j'ouvre les portes parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas doués. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Je n'ai pas de graisse animale. Bien dommage. C'était quoi comme bouclotte? Ah, c'est ça, je peux la prendre. Attendez. Cool. Allez, c'est parti. C'est fait. On est mieux ou pas là? Bien sûr qu'on est mieux. Alors on va avancer comme ça. Donc là visiblement il n'y a rien. Un peu d'eau, croupis, des produits, on en a besoin de tout ça. Calme-toi. Et ça, ce sera pour les outils de récupération de farm. On n'est pas là pour ça, on est là pour l'architecture de la baraque. Mais il tape où depuis tout à l'heure? Je sais pas trop en fait. Il est à l'extérieur? Moi ouais, certainement. Nous, c'est une. Il faut qu'on termine les zones, faut qu'on détruise tous les onglards. Ça ira mieux, apparemment, au rez-de-chaussée. Ben voilà, c'est lumineux. Ah, ça dégage. Niveau 6, sort pour le coup, j'ai 2 points. Pique la terreur. Peut-être mettre un peu de mule, parce que là c'est vrai que je commence à peiner un peu. Et là donc optimisation des sessions. Ouais mais je l'ai pas ça. Vitesse des massues. Parfait. Ça me concerne. Un peu de bois, toujours. Donc c'est une maison classique. Hein. Revue médicale, on prend. Non, j'en veux pas. Ah! Je sens qu'il y a un Kevin là. Oh, sérieux! J'ai un arc niveau 3. Ah, mais tu peux pas. T'es obligé de mourir du premier coup, une flèche dans la tête. Ah! D'accord, on va s'envoyer l'après. On récupère les chaises. Là, on sortira par là. Je sais plus si j'ai assez de produits pour faire justement mon collecteur. Bon, ça, je dirais ça en neuf. Juste un peu de bouffe, si possible. Oui. Ah, ça va me faire du bien parce que là, je commence à pas être bien, justement.
comme vous pouvez le voir, dans ce genre de petite maison, les bonus de fin de mission se trouvent pas forcément tout en bas. On a des stocks là, de nourriture. C'est important la nourriture. Donc là, on a combien? Un seul? Il court. Il court! J'ai l'impression qu'il court. Ah non. Par contre, j'ai l'impression qu'il va aller faire dodo pendant un bout de temps. Ok. Ouais, ça pue. Ah, je suis comme vous, je sens que ça pue. Déjà, il y en a un qui est juste là. Ah oui, je sais pourquoi tout à l'heure j'ai pas eu. Parce que je n'étais pas en position furtive. Car quand vous l'êtes... Ah non, mais j'ai raté mon tir, sérieux. Voilà, c'est fait. Plus qu'à récupérer le butin de fin. Rends-moi ma flèche. Là, tu veux pas. Ok. On vérifie, hein. Toujours vérifier. Bon, y a pas grand-chose. Ici. Voilà, parfait. Et c'est parti. Alors, on a quoi de beau ? La graisse. Un bouquin sur les outils de réparation. Deux bouquins même. Parfait. Ici, un bouquin sur les outils de récolte. Nickel aussi. La grosse caisse. Ah, c'est pour les armes automatiques. Chaque tireur d'auto a plus de chances de repousser les ennemis. Impeccable. Des chaussures de running. Je vais les mettre. Elles sont un petit peu usées, mais bon. On va les mettre quand même. Je récupère ça. Et des cartouches. Parfait, il y a un mode. Je sais pas trop ce que c'est. On verra bien. Quoi? Oh. Voilà. Merci bien, Maurice. Et on rentre. On se dépêche. Alors, mon vieux rect. Toujours, ouais. Bah, toujours claquer le magazine, hein, j'en ai besoin. Ensuite, pas très loin. Ouais, c'est pas mal ça, 73 mètres. The Reed Residence. Ah, bah non, parce que la Reed Residence, on l'a déjà faite, Maurice. Bah oui, mais nous, là, si on veut des missions qu'on n'a pas faites. Récupération, c'est où ça? The Rubber. Je vérifie, hein. The Rubber Residence, on l'a pas faite. Et bah, on prend. Voilà. Allez, go. Get the job done. Allons, on enchaîne. The Rubber Residence. Avec l'accent toujours. Classe ouvert. On récupère. Vitesse de déplacement augmentée. Attaque à main nue augmentée. Ça m'intéresse pas. Ah, c'est ouvert déjà. Très bien, on file des trucs. Elle est là, la mémère. Ah! Je suis pas tout seul. Mince. Ah, je suis tombé dans un piège. Donc là, faut y aller. Ah, je l'ai raté, sérieux. Puis elle aussi. Dégage. Eh, je sais. Ça fait mal, ça pique un peu. J'ai récupéré un bouquin ou pas? Non, c'était des pièces. Donc. Impeccable. Fouillez toujours tout, hein. Dans les placards, faites attention. Surtout si vous êtes en mode discret, quand vous ouvrez, il peut toujours y avoir quelqu'un dedans. Ah, je me dépêche. Hein. Voilà, ça se dégage. Voilà, parfait, ça bouge plus. Là, on est pas mal. Il bouge encore, lui, dis donc. Il y a une petite caisse qui était cachée là-dedans. Ok. Allez, on poursuit. On remonte tout doucement. Car c'est quand même lamentablement cassé la figure. C'est l'info pour la forge. Récupérez tout ce que vous pouvez. Même si ça peut vous paraître inutile pour l'instant. Ce sera forcément utile plus tard. Vous serez bien content d'avoir les ressources. Ça, pour le coup, je peux la recycler en quoi. Oui, en faire bien.
Ça c'est le, ouais, c'est vraiment la base, hein. Faites les baraques au début. Il faut récupérer absolument une marmite. En priorité, hein. Après un grill, c'est pas mal. Mais la marmite, super important. Bah, sinon, vous pouvez rien faire. Hein. En termes de flotte, c'est foutu. Là, on a quoi? On est sur de la deux, enfin, on est sur de la terrain. Hein. Donc, comme on est sur de la terrain, ça va. On n'est pas trop stressé. Armure. Ici, on avait quoi? Toujours les toilettes, hein, les fers. Alors, pour les bouteilles d'eau croupie, mais aussi pour les médocs que vous pouvez régulièrement avoir au-dessus de l'évier. Ça, c'est important de les faire aussi. Tout est important. Là, on a quoi? Paf, de la fourrure et des tissus. Derrière les tableaux, il peut y avoir des, voilà, des caches. Donc, on les fait. Ah, bah, bien, j'ai de la chance pour le coup. Sauf que ça, pour l'instant, je m'en tape un peu, ça aussi. Les chaises, on recycle. Ça fera un peu de place. Parfait. Allez, go. Donc là, pensez aigle, hein, pensez piaf dès que vous arrivez sur un étage. Surtout, lorsqu'il y a une ouverture sur le toit, il y a toujours un piaf qui traîne. Bah, forcément, il faut que je dise ça pour qu'il n'y en ait pas. Mais bon, il y en a régulièrement. Hein. Allez, on fait ça, je fouillerai après avant de partir. Donc là, ça va être la porte où il va y avoir du monde. De quoi? Reste allongé par terre, on t'a dit. Et ici. Hop, un. C'est tout. Oh, d'où le... Ah, ça, j'aime pas quand ils sont à quatre pattes, les mecs. Donc on fouille. Des gants, sont-ils mieux, sont-ils moins mieux? Ça se dit ou pas? S'en fout. Je les mets. Je les porte. Allez. C'est quoi ça? Ah, plus en courage. J'ai eu le même en force. Mais celle du courage, je ne l'avais pas eu. On recycle, je récupère tout. Beau loot hein, pour l'instant. Très très beau loot. Bon, les médicaments, c'était génial. Oh là là, mais c'est pas terrible. Ça, c'était dans les médicaments qu'il fallait les mettre. Bon, là, pour le coup, dans les munitions, on a des cartouches. C'est cohérent. Ouais, parce que ça n'allait pas forcément ailleurs. Hein. Non, mais je suis chargé comme une mulasse. C'est tout ce qu'il y a. Ok, très bien. Bah, écoutez, on se retrouve chez Rect. Je farme un peu. Allez. Donc, on valide la deuxième mission. Du bois, magnum renforcé, pierre chanceux, c'est quoi ça? Non, je m'en fiche. Allez, je prends le bois. Important, le bois. On est sur quoi, là? Ah, l'élimination, ça va être The Reed Residence. C'est si on l'a déjà faite. The Cook's Residence, je crois qu'on l'a fait aussi. On l'a pas faite, celle-là. En T1, on l'a pas faite, c'est sûr. Ah, est-ce qu'elle est en T2? Ah, j'y crois pas, hein. Non. Non. On l'a pas faite. Allez, on prend. Tac. Allez. On va faire cette troisième là. Allez, on prend les chaises en fer. Toujours. Et c'est parti. On reprend les chaises en fer. La toilette, bien sûr. Tout ce minage va transformer les ressources de base, comme le minerai, la pierre, le bois, en piles compactes, ce qui les rend plus faciles à transporter. Oh, c'est cool ça, Lyon. C'est-à-dire, ça... Ça se traduit comment dans mon inventaire? Si je fais ça. Il est où? Ouais, okay, bah, je vois pas trop. Alors, go, un bécher, filez-moi bécher. Non, pas de bécher. Ouais, je ferai ça après. Oula, c'est un gros ça, non? Ah, c'est un gros. Ah non, c'est un. Ouais, d'accord, on est dans une planque. Nous sommes dans une vieille planque dégoûtante. Ils fabriquent de la drogue, certainement. Enfin, ils fabriquaient, surtout. Je la connais, celle-là, mais...
Là où il y a une dalle. On peut y aller ou pas? Alors en plus c'est là où il y a ma petite sacoche. Impeccable. Paf, ça c'est fait. Ah oui, le petit logo en bas à gauche. Rouge. Donc comme je vous expliquais, hein, les quêtes c'est terminé. Je peux plus. Enfin je peux les faire, mais ça ne me rapporte pas d'expérience de fin de quête. Et ça c'est modulable hein, dans les paramètres. Hein. Je crois. Attendez, on va aller voir ça ensemble. Dans option. Bah non, il faut sortir en fait. Ouais, faut sortir. Alors. On retombe. Ah oui, je me rappelle de ça. C'est un peu le chantier d'ailleurs. J'arrête pas de tomber. Ah, je les laisse. Allez, venez. Venez avec moi. Les gars, c'est un peu faible. Même très très faible. Hop. Donc on est revenu. Allez. On va croiser les doigts. Pour avoir des béchères. Oui. Oh, c'est vraiment génial. Alors sur cette partie, j'ai vraiment eu de la chance. Ce début de partie, car j'ai récupéré dans une première maison, la toute première, hein, le début du jeu quand vous faites le tuto, la marmite et le grill. Donc là, il n'y a rien. Parfait. Des bédogs. Non, non, je ne tomberai pas. Par contre, je passe. Ah. Et voilà. Beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est quoi cette position? Sérieux? On peut être sérieux, des enfants qui jouent quand même. Allez. Hydrofluoril. Ça récupère. Ça ré... Ah, c'était quoi ça? Une trame d'argent? Pépite d'argent, d'accord. Oh, ouais, ouais. Il y a le patron qui a voulu passer là. Ça dégage. Voilà. C'est terminé. Filez-moi le butin. Alors, des médocs, on a quoi cette fois-ci? Ah, bah voilà. Médical. Des bonbecs. Encore des bonbecs. Bon, c'est de la vitamine, hein. Vitamine de l'antidouleur. Là, on est bon. Bouquin sur quoi ça? On trouve davantage de déchets que normal. Très bien, ça je recycle. De la bouffe et des cartouches. Parfait. Et là. Un livre, au moins un livre. Ouais d'accord. Encore un bécher, oh, sérieux les gars. C'est, ce sont des extrêmes à chaque fois. C'est tout ou rien. Plus rien. Ok, bah c'est parti. On se retrouve chez Rect. Je fouille tout. Je récupère toutes les ressources. Alors mon lapin. Bah écoute, cette fois-ci, je vais prendre par contre des munitions. Ça, c'est important. Et pour demain, tu vas me proposer quoi? Oh, bah c'est loin à chaque fois. Élimination de zombies, c'est où ça? Motel 7, on l'a pas fait, tu vois. Et bah c'est parti. Tac. Allez, go. C'est parti pour le motel. Ouais, il est 4 heures. Et voilà. Alors. Ok, ils vendent des trucs, c'est cool. C'est un motel, hein. C'est un peu normal aussi. Et ils vendent quoi d'autre? Ouais, d'accord. Ok. Verrouillé. Ah, c'était deux. Et de 1. Et de 2. Ici, il y avait quoi? Oh, ça se reliait en plus, c'était mignon. Un petit distributeur. Oh, de la bière, toujours de la bière. Une échelle à l'extérieur.
cas si on n'a pas de chance. Là on ressort. Il y a un petit serpent qui traîne. Voilà. Je peux récupérer de la viande. Ce sera pratique pour plus tard. Quelqu'un? Personne? Ah si, il y a quelqu'un. Il a même pas parlé. D'où le serpent ne parle pas. Il est quand même censé faire un petit bruit. Oh sérieux. Ah, ça m'agace hein. Allez. Allez se faire surprendre. On récupère l'échelle. Qui est derrière, mais je sais pas pour y aller. Ouais, d'accord. Donc ce petit POI est tout mignon. Mais il cache un mystère. Et on va le découvrir, ce mystère. Oh non, une hurleuse. C'est quoi ça? Ah, je les aime pas, Dégage. Sérieux. On poursuit. On est censé quand même pouvoir passer par là. Ouais. Bizarre. Car là, il n'y a pas d'escalier. Il pète tout là. Sur le côté. Et là. Et si en fait on passe par là, moi je croyais qu'on pouvait pas, mais si on peut passer. Voilà. Bon, je vais le chercher parce qu'il m'a cassé. Ah, je fais... Ah oui mais bon. Là, reste là. Je reviens te voir après. Te faire un petit bisou avant de partir. Les piafs. Là il y a un nid. Qui dit nid? Dit piaf. J'ai de la chance. En ce moment, les piafs n'en veulent pas trop. Donc là, il y a une pièce. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Et on peut passer par là aussi. Alors, le problème, c'est ça. C'est que ce POI, je ne l'ai pas fait. Donc là, par ici, on peut descendre tranquillement. Ah, deux. Ça, il faut avoir une sacrée arme ici. Car possibilité de vous échapper est réduite. Donc là, on a fait ce qu'il faut. Un bouquin sur la discrétion de 5% la nuit. Et la tenue d'évangéliste. Résistance aux dégâts, plus 2. On la porte. Et celle-ci, on la recycle. Et là, je pense qu'on est tout beau. Tout beau avec cette tenue. Ouais. Excellent. Alors, ouais, donc là, on retombe. Ce sera en bas, c'est sûr. Donc la quête est en bas, ça va être ici. Là, il y a forcément des choses. Ouais, je les sens pas. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui m'attend. Un bouquin? Ouais. C'est la loupiote. Parfait. Non. Il est mort. Et comme il est mort, bah voilà, je le récupère. De la cartouche. Ouh, ouh, il est où? Elle m'a fait peur. Dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Il m'a fait peur. 309. Il est où? Non, c'était juste une... D'accord, c'était pas une caisse à récupérer, mais... Elle lit un peu ce que tu fais. Ah, c'était quoi? C'est un bouquin sur quoi, ça? Sur les...
Ah, courir avec une massue à la main au combat consomme 20% de nuance en moins. Génial, c'est ce qu'il me faut. Parfait. Et donc là, pour partir, c'est par où? Là, c'est fermé. Là, on déverrouille. Impeccable. On est reparti. Alors, mon petit rect. Nous offre quoi? C'est les masses. Et bah, les magazines. On prend. As-tu autre chose? Élimination. Non, ça, ça va être. La récup, peut-être. René Suckle Trailer Park. Je crois qu'on l'a fait celui-là. Oui, on l'a fait. On l'a fait, René Suckle Trailer Park. Provision enterrée, récupération. C'est où ça? Le Dell's Café? Je suis pas sûr qu'on l'ait fait, le Dell's Café. On ne l'a pas fait. Allez, on finit par ça. Alors, on a quoi? Du plomb. Pas top. Une roue. Pourquoi pas? Donc c'est parti. Alors, échelle. Échelle. Il y en avait un ici aussi. Voilà, je le fais, je le fais. C'est un gros. Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant dedans. Ah oui, il a vécu. Voilà, parfait. Et des phares. Très bien. Allez, on monte. Quand on monte. Piaf. Faut penser piaf, hein, je vous le dis tout de suite. Toujours, toujours. Mais non, mais c'est une misère. C'est quoi ces POI où il n'y a pas de piaf? Ça fait partie un petit peu de l'essence même du jeu. Je suis déjà allé là. Ouais, oh, ça sent le. Bah, ça sent le piège. La bouffe, je prends. C'est fermé. Ok. On va être tranquille. Alors, je prends juste ça. Voilà. Pas de surprise. Verrouillé. Lui, il court, hein. Je peux pas courir, hein. Ah. Ah, si. Il y a un petit bug de touche. Vas-y, tombe. Ah, c'est un gros. Deux. Deux petits grassouillés. Allez, restez là. On fait peur, c'est blaireau. Allez, je quitte. Je me dépêche. Je suis dévié. C'est pété. Il n'y a rien. Distributeur, on va pas le faire. Maintenant. Un chien. Ah. Ça dégage. Ah, c'est rare quand il ne touche pas. Hein. Très très rare. Avec la lance, on peut essayer de les tenir à distance, mais bon. C'est très compliqué. Ah oui? J'ai bien le petit yayayayay. Voilà, tu restes là. Ici, la caisse est faite. Il n'y a rien à récupérer. Un petit soda au pire. Voilà, ça c'est bien ça. Ici. Voilà, la deuxième. Ok. C'était l'interrogatoire ici. Eh, je sais pas, j'ai pas. Allez. Je récupère tous les sièges. Par contre, du médical, du miel. Je n'ai pas encore récupéré les provisions de la rivière blanche. Un FAP, ça je prends. Je prends le FAP, de la bouffe, je la prends tout de suite. Ah, par contre le frein de bouche, enfin, je vais peut-être le mettre là. C'était quoi que j'ai mis ici? Ouais, je préfère le frein de bouche. Ouais, car le gros zoom sur la mitraillette, quand vous êtes à côté, à proximité, c'est quand même compliqué. On ouvre.
On récupère. Ah, il y a un craquebook. Des munes. Des flèches. Fabrication d'armure. Et vous gagnez en précision en tirant rapidement avec des armes calibre 9 mm. Très bien. Pourquoi pas. Et là, de la cuisine. Et de la bouffe. Parfait. Nous, il nous reste juste à récupérer notre caisse. Qui est là. Juste au-dessus depuis tout à l'heure. Parfait. Allez, on rentre. Je sors par où, moi? Logiquement, par là. C'est par où? Par ici. Allez, à tout de suite. Alors, on va récupérer quoi sur toi? C'est quoi ça? La pierre, tout ce qui... Je vais le prendre pour plus tard. Et nous, on va faire quoi? Encore, t'as encore des choses à proposer? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la récupération en off. Comme ça, je vais atteindre les 10 et on passera aux échelons 2, car j'ai l'impression qu'on a fait le tour, en tous les cas, dans cette ville. Des niveaux 1, je vérifie, mais... The Powell. Non, on l'a pas fait, la Powell. Ben non, on l'a pas fait. Allez, on prend celle-ci. Voilà, mais écoutez, on va se quitter là-dessus. Et on se donne rendez-vous donc sur la prochaine vidéo pour les bâtiments. On continuera à faire des 1, peut-être des 2. On verra ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire la complète si la vidéo vous a plu, c'est-à-dire pouce bleu, commentaire, et à vous abonner, c'est toujours gratuit. Merci à vous, et à bientôt.